du département qui, une fois cette épidémie annoncée, se sont mobilisés. Et les députés dont les districts étaient frappés par cette épidémie ont, dès les premiers jours, dès les premiers instants, réagi en mobilisant un certain nombre de ressources pour aider le gouvernement à faire face à cette épidémie. Nous avons donc pu acquérir un certain nombre de médicaments qui étaient urgents sur le conseil de la direction départementale de la santé et que nous avons mis à la disposition des centres à l'ESARA par l'intermédiaire de l'honorable le ministre Kouskoussou et l'honorable Matomé et à Luangu aussi dans les centres de Diosso, Matombi, Lubu et Mengou. Ce qu'il faut souligner, monsieur le préfet, c'est le travail important fait par le personnel sanitaire dans ces circonscriptions. Nous avons noté des agents très dévoués. Certains ont blanchi des nuits, surtout des chefs de centre. Ils sont restés 3-4 jours sans rentrer chez eux. Et pour le cas de Lubu et de Diosso, c'est des dames. Je veux vous dire même qu'une des dames a un enfant qui allaitait, qui avait encore 8 mois, mais elle est restée 4 jours à Lubu sans rentrer chez elle, sans aller voir donc son bébé. À la limite, elle a sevré le bébé, parce qu'il fallait assurer ce service public. Et je tenais à le souligner pour que l'on sache que dans ces établissements publics aussi, dans ces formations sanitaires, il y a des fonctionnaires qui sont aussi dévoués et qui savent aussi travailler pour l'intérêt du pays et pour l'intérêt de la population.